Regarde-moi cette viande, Bruce. Hein? J'espère que tu vas nous préparer de la bonne nourriture avec. Pas besoin de me le demander. Bien sûr que je préparerai une bonne sauce. Ah, je te fais confiance, je te fais confiance. Je sais ce que tu sais faire. Ouais. Je pensais que tu allais me guider préparer les sauces. Ah. Aura. Ou des légumes. Bien sûr, tu sais que c'est la sauce aura. Mmh. Aura. Mais oui. Aura, aura. Tant tu n'as pas d'autre choix. Non. Flora par ci. Non. Aura par là. Non. Écoute, avec ça, la sauce aura sera très délicieuse. Oh oui. Je sais que Ney va tellement adorer. Bien sûr. Voilà. Elle va l'adorer. Tu connais ma mère. Bien sûr. Je sais qu'elle aime manger toutes ces viandes de Bruce. Elle va l'adorer. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Oh. Tu te rappelles? Bonjour, mère. Ma jolie dada. Izuna. Bonjour. Comment tu vas? Adogo. Bonjour. Je mange ce que ma mère vient juste de donner. Comment tu vas? Obi. Et toi, tu vas bien? Ouais, papa. Papa est sorti, mais maman à l'intérieur. Hein? Né. Où est-elle? Alors, au revoir. Quand est-ce qu'elle est rentrée? Ne t'inquiète pas, elle arrive. Hey, mes enfants, bienvenue ma fille. Vous êtes de retour. Maman, bonjour maman. Vous êtes rentrée aussitôt? Oui, Né. Vraiment? Hey, Né, devine ce qui s'est passé. Obin, tu es un très gros hérisson. Vraiment? Je te dis. Hein? Et il nous l'a donné afin qu'on l'utilise pour faire la sauce. Oh, ah bon? Moi, de coup. Tu vois? Pourquoi je dis que tu es l'homme idéal pour épouser ma fille? Exactement. On ne manque de rien. Odogo, tu peux le redire encore. Obi. Vous savez que j'aime beaucoup votre fille, Adogo. Et j'aime aussi beaucoup cette famille. Et cette famille t'aime également. Oh. Alors, où est le hérisson? C'est dans la cuisine. Ah. Ok, maman, je dois partir avant que la nuit ne tombe. Hey, c'est d'accord. Oh, non, 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 non. Obina, tu peux rester et manger ce hérisson. Non, 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 il se fait déjà tard. Obina. Obi. Obina, tu es vraiment une belle âme. Un vrai gars. Kizu, tu vois bien que j'ai raison. Bye. Bye bye. Mouano Kwayaku. Entre bien, oh. Mais, viens que je te montre. Allez, Odoku, s'il te plaît, vas-y. Cuisine ce hérisson comme personne. Sûr, je le ferai. Hein? Viens. Reviens. Reviens ici. Maman, tu sais que je n'aime pas ça. Je voudrais aller chercher ma part de hérisson, de grâce. J'ai dit de revenir ici. Dépêche-toi. Maman, s'il te plaît, arrête ça. Obiké, ne t'en fais pas. Je t'ai dit de revenir ici. Je compte jusqu'à toi. Maman, je t'ai averti plusieurs fois. Je déteste ça. Obiké. Je déteste. Obiké 1. Obiké 2. Obiké. Regarde comment il est. Enfonce son cervelle. Izu, je reviens bientôt. Vas-y, il n'y a pas de problème. Allons-y, allons-y. Tu veux manger des bêtises? Regarde-moi celui-là, sale corps. Maman, s'il te plaît, arrête, je viens. Des oubliés. Je viens en paix. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Humaine, que cherchez-vous dans la terre, des oubliés? Aucun humain n'est jamais venu dans cette zone. Toutefois, vous êtes venu, sachant très bien que vous pouvez devenir comme nous. Et que votre chair pourrait être repas pour nous. Je sollicite une faveur de votre part. Ils ont... Seigneur. Adama, c'est... Ada. Maintenant, je comprends pourquoi Obina a juré de ne pas te laisser. Hein?
parce qu'il sait que lorsqu'il rentrera du champ, il trouvera toujours ses petites délices à table. Mais Obinator, là, t'es intelligent. Izu, t'as raison. Voyez-vous? Adugok, tu vois? Eh oui. Adugok, tu vois? Si elle n'était pas ma sœur, j'aurais demandé sa main à mon père. Écoute le genre d'idées qui sort de la bouche de ton frère. Vous parlez beaucoup trop. Vous parlez beaucoup trop. Mangez avant que le piment ne vous étouffe. Adugo, mais tu sais que c'est la vérité. Dans tout ce village, je te désigne comme une des meilleures cuisinières. Adugo, Ada de Jumbo. Et où? Ada Nem. Eh bien, je l'ai appris de ma mère, Izuna. Tu sais qu'elle cuisine beaucoup. Exactement. Elle cuisine vraiment très bien. Une cuisinière incroyable. On lève la main, hein. Cuisinière incroyable. Tu comptes vider cette assiette, hein? Il y en a assez. Je le constate, il n'y en a plus assez. Obike, que crois-tu être en train de faire? Maman, je mange avec mes frères et sœurs. Maintenant, rentre à notre hutte, rapidement. Mais Obi n'a pas fini de manger. Ferme ta bouche mort-vivant, je ne t'ai pas parlé. Mais maman, je... Maman, je... Là, dépêche-toi. Ce n'est pas juste, c'est pas juste. Pourquoi me demandes-tu de cesser de manger avec mes sœurs? Passe. Oh, passe. Qu'est-ce qui ne va pas chez Maman, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Va à la maison j'aime maintenant. J'aime pas ça. Vas-y. Mieux de toi étant donné quelque et chose tu à manger. Coupes l'appétit. Toi, je te demande de fermer ta bouche. Izu, s'il te plaît, garde ma part, j'arrive. Qui êtes-vous deux? Je reviendrai. Je ne sais pas quoi vous dire maintenant, mais je reviendrai. Izio, regarde ce qu'elle a préparé. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ça que vous avez donné à mon fils? Est-ce que ce n'est pas bon? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ok, laissez-moi vous montrer que c'est bon. Hé, hey, maman Biké! Maman Biké! Que ce soit clair, je ne voudrais plus voir mon fils avec vous. Je ne voudrais plus vous voir avec mon fils, c'est compris? La prochaine fois, ne laissez pas mon fils manger avec vous. J'espère que c'est clair. Mais Oh, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cette femme se comporte de la sorte? Ney, bonjour. Bonjour, Ney. Bonjour, mes enfants. Comment s'est passée la nuit? Les dieux ont été avec nous. Allez laver vos visages. Le repas sera bientôt prêt. Okay. Ney, amène-nous chez Oncle Ketchi. Nous devons être avec notre Dada Adugo. Vous voulez être avec votre Dada Adugo aujourd'hui? Qu'est-ce qu'a cet endroit? Oui, Ney, nous voulons être avec elle. Ok, allez laver vos visages. Nous reparlerons de ça après avoir mangé, d'accord? S'il te plaît, Ney, amène-nous la voir, s'il te plaît. Ney, s'il te plaît. D'accord. Oh, Ney, merci. Merci, Ney. Ok, allez laver vos visages. Ok. Ney, bonjour. Qu'est-ce que ceci veut dire? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Anna? Tu ne connais plus la maison d'Adogo, hein? Pardon, dégage devant moi, n'importe quoi. Obim, tu es là. Obim, comment tu vas? Dégagez, allez faire vos bêtises chez vous. Comment va Ney? Elle va bien, elle prépare de la sauce au rat. Tu es sérieuse? Oui. Adao! Adugo! Ney. Obina! Ney. Tu es là? Oui, Ney. Bonjour. J'étais sur le point de la minute. Ah. Je lui ai dit que tu préparais de la sauce au rat. Je fais la sauce au rat, mon fils. Écoutez, laissez-moi vous dire tous les deux. Si je viens pour le mugo, je ne mangerai que la sauce d'Ora. Si jamais vous ne m'en donnez pas, je m'en irai et je vous laisserai. Ney, je suis encore et toujours Obina. Je vais m'assurer que vous ayez de la sauce d'Ora et avec du Anushi. Anushi, quoi? Hey.
Izu? Izuna? Ah, Obi? As-tu trouvé des fruits? Oui, j'en avais. Je voudrais en cueillir assez pour elle. Ok, dépêche-toi, dépêche-toi pendant que je finisse ceci. Adure menwese imeranae aduge marambamboro yeyo. Où sont ces enfants? Obike! Obike! Oui, Nam. Où est Izuna? Papa, je lui ai demandé d'aller chercher des fruits pour Adugo. Viens, 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 viens! Viens vite! Papa, tu sais qu'elle est notre sœur. Viens vite! Viens d'abord! Izu! Oui, Obi? Papa t'appelle! Izuna! Oui, papa? Viens, viens ici! Viens! Vous êtes allé chercher des fruits pour votre sœur Adugo, alors que vous savez qu'on n'a pas encore fini de travailler ce champ. Nam! S'il te plaît, nous sommes désolés. Nous sommes allés chercher des fruits pour Adugo. Tu sais qu'elle adore les fruits. Oui, oui, tout à fait, papa. C'est pourquoi je suis allé lui en chercher quelques-uns. Mais dès que j'ai trouvé assez, je reviendrai et nous terminerons notre travail. Je te le promets, papa. Oh, merci, oh Dieu, que tu as dit promesse. Rappelle-toi bien qu'une promesse est toujours une dette. Est-ce clair? Oui, nous, papa, savons, nous savons, savons, papa. Nous savons. T'inquiète. Merci. Papa, permets-moi d'aller chercher ce que j'ai entassé de l'autre côté. Dépêchez-vous. Ok. Dépêchez-vous et allons-y. Allez-y, je vais chercher les fruits que j'ai laissés là-bas. S'il te plaît, prends le maximum. Et Adugomo. Adugo, matawa même. Je te fais confiance. Je te fais confiance, mon beau-fils. Et allô, Thiago, ma faubourg. Au quoi? Pas de problème. Je sais de quoi tu es capable, mon fils. Ignoma. Maintenant, prends tes enfants et allez au Mogu. Laissez-moi balayer, c'est avant que Naï ne vienne me crier dessus. Est-ce que tu as compris? N'importe quoi. Bande d'idiots. Que les dieux de notre terre vous avalent vif. Hey! Mais... Iruka. Iruka, qu'est-ce que tu as dit? Iruka, c'est à toi que je parle. Qu'as-tu dit? Laisse-moi te dire. Je vais te frapper. C'est toi que les dieux avaleront vive. Calme-toi. C'est quoi ton problème, Iruka? Regardez. Quel est exactement ton problème? Je te demande. Quels sont tes problèmes? Hein? Qu'est-ce qui te démange? Depuis qu'Obina, ici présent, a demandé la main de ma fille, je te sens perturbée. Est-ce de ma faute si tu n'as pas eu de fille? Me démanger? C'est ta famille et toi dans les corps. Démange. Mais calmez-vous. Idiote. Regarde-toi. Hein? Je ne peux que dire Dieu merci. Merci les dieux de notre terre. Que tu me dises que je n'ai pas de fille et que je ne peux pas aller à Omugu. Hein? Tant que je ne peux pas aller à Omugu, si tu veux, va à Omugu. Allez autant de fois que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Je m'en fiche. Mais je suis meilleure que toi. Laisse-moi te le dire. Je le suis. Regardez-la. En quoi es-tu meilleure que moi? Dis-moi. Que je te le dise. Oui. En quoi? Dis-moi. Tu veux que je te le dise? Dis-le-moi, je t'écoute. Parce que tu es gourmande. Ta gourmandise va t'étouffer. Comment ça? Ce vaurien qui n'arrive même pas à attraper un chaton t'a ramené un hérisson qui a été tué par un serpent. Et tu es là à te vanter. Je vais préparer le foie. Je vais préparer le foie. Je vais préparer. Tu n'as même pas honte de toi. Tu n'as vraiment, vraiment pas honte de toi-même. Toi, rentre chez ta mère. Tu n'as pas de mère? Est-ce que tu n'as pas de mère à qui donner cette fille? Que le tonnerre te frappe. Maudit. Je ne suis pas maudit. Est-ce que tu n'as pas de mère? Mais ça suffit. Je suis aussi mère. Sa mère. Tu ne pouvais pas donner cette fille à ta mère. C'est ton père. Idiot. Non, laisse-moi mais tranquille. Bon. Laisse-moi. Mais Obike, c'est bon. C'est bon. Écoute, arrête d'aboyer comme un chien enragé. Pas tu la fermes et reste tranquille. Allez au cou. Non. Allez, fichez le camp. Laisse-moi dire à cette idiote qui elle est vraiment. Moi, idiote. Tu as vraiment raison. Ouais, vraiment. Dès que possible, on le fera. Les futurs mariés de notre fameux village. Bonjour, Robina. Bonjour, Isioma. Comment tu vas? Je vais bien. Lydia, comment tu vas? Je vais bien. Et la journée? Tu as très bonne mine. Mmh. Cela veut-il dire qu'Adogo t'a préparé la sauce aura? Oh mon Dieu, la sauce aura.
Comment l'as-tu su? Son visage en dit tout. Tu t'imagines? Adoko, mon ami. Tu sais, la sauce aura cette qualité-là de rendre un homme heureux. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Adogo qui est là, c'est la meilleure cuisinière de la Sosora. Écoutez, c'est pourquoi je suis impatient de faire d'elle ma femme. Vous devez vous dépêcher car une période sombre arrive. Une période sombre? De quoi parles-tu? Ne faites pas attention à elle. Ma sœur dit des paroles étranges ces derniers temps. Izioma, devons nous dépêcher, nous avons beaucoup de choses à faire. Obim. Mais que veut-elle dire par une période sombre arrive? Ne fais pas attention, hein? Ça ne veut rien dire, hein? Que je ne fasse pas attention à elle? Ah, ça ne veut rien dire. S'il te plaît, c'est très étrange. Hein? Tout d'abord, elle a su qu'on a mangé de la Sosora. Et maintenant, une période sombre... Laisse-moi te dire quelque chose. Elle l'a senti, ça sent dans ta bouche. Voyons. Ça sent de ta bouche, si tu ne sais pas. L'aura sent de ta bouche. Allons-y, ça ne veut rien dire. Tu en es sûr? Ta bouche sent la Sosora, si tu ne le savais pas. La Sosora? Isioma. 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 Chinwe a dit qu'elle venait avec des cruches, alors allons l'attendre à la rivière. Ok, allons-y. D'accord, allons-y. La période sombre est ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux nous voir? Oui, je peux vous voir toutes les trois. Pourquoi avez-vous l'air si étrange? Isioma, à qui est-ce que tu parles? Nous sommes les filles des oubliés. Et toi, tu dois être l'œil du jour sombre. Si tu pars, viens nous voir. L'œil de la période sombre? Hé, Isioma. Que voulez-vous dire? Un jour sombre? Répondez-moi! Isioma! Oh mon Dieu, mes jambes, je ne peux plus bouger. Répondez-moi! Je ne peux plus bouger mes jambes. Essaye de bouger. Mes jambes, je ne peux plus les bouger. Isioma. Je ne peux plus bouger mes jambes. Isioma. Isioma. Elle est debout. Est-ce que je dormais? Oui. Je t'ai laissé là pour aller dans la forêt et quand je suis revenue, tu dormais déjà. Jide. Oui. S'il te plaît, dis-moi. Avons-nous croisé Adogo et Obiné en venant ici? Oui, on l'a fait. Est-ce que j'ai également parlé à des étrangers en venant ici? Ah! Regardez mes enfants! Ah, Ugoma, oui, comment tu vas? Je vais bien. Et Kenai, oui. Comment ça va? Je vais bien, maman. Salut, ma belle-sœur Nkiru. Sois la bienvenue, désolée. Merci. J'ai été emportée par ces enfants. Et où est mon frère? Je ne le vois pas. Ton frère? Il est allé au champ avec Izuna et Obi. Ah, ok. Où est Dada Adogo? Dada Adogo est sorti avec Obi. Ok. S'il te plaît, as-tu préparé quelque chose? J'ai vraiment très faim. J'ai de la sauce d'Ora. Hey, c'est mon plat préféré. Oh, ouais. Laisse-moi, okay, s'il te plaît. Vous allez manger de la sauce d'Ora? Oui. Oui. Ok, avec du haku ou du gars. Peu importe lequel. N'importe lequel. Ah, ok, allons aller. Je l'avais dit. Hey, les enfants, je suis contente de vous voir. Nabu gacha. Igagrawo ko benni. Obayile obadin wala. Obadin garito. Igawe tewa tubarege. Hey, Isoma mon amour. Ma princesse d'amour. Nai. Bonjour. Ma fille. Nai. Bienvenue. Merci. Vous êtes toute joyeuse. Je ne suis pas aussi joyeuse. Pas si joyeuse que ça? Ça s'est passé. Que signifie l'œil de la période sombre? Où as-tu entendu ça? Quand nous étions en route pour la rivière, j'ai croisé trois demoiselles étranges.
Elles étaient vraiment étranges dans leur accoutrement comme dans leur apparence. Mais et quand je leur ai demandé pourquoi elles avaient l'air si étranges, elles ont dit que si je pouvais les voir, cela veut dire que je suis l'œil de la période sombre. Nai, qu'est-ce que cela veut dire? Je vois des choses que je ne suis pas censée voir. Mais sûrement, ma fille, cela ne veut rien dire. Ma fille Soma. Écoute, va à l'intérieur et cuisine quelque chose pour ton père, car ton père a très très faim. Ma fille, viens. Écoute, va à l'intérieur et cuisine quelque chose de bon pour ton père. D'accord, Nam. Et permets-moi d'entrer avec ça. Eh oui, c'est mieux. Obim, j'espère que tu as aimé passer du temps avec moi. Hey, tu me le demandes. Hein? J'ai tellement apprécié. C'est super. Tu sais, ça m'a tellement fait plaisir, au point où je ne voulais pas que tu partes. Alors, quand allons-nous nous revoir? C'est à toi de voir. Je serai toujours là pour toi. Ok. Si Né ne va pas au champ demain, je viendrai te voir. C'est d'accord. Ça sera super. Je dois y aller. Parce que mon père va rentrer du champ d'un moment à un autre. Ah, tu as raison, c'est vrai. Mais merci d'être passé. Tu ne sais pas comment ça me fait plaisir. Tu as fait ma journée. Tu as également fait ma journée. Hein? Être avec toi me fait beaucoup de bien. Alors, je dois absolument me dépêcher de faire de toi mon épouse. Dis à ton père que demain je viendrai l'aider à cueillir toutes les noix de palme. Hein? Ok. D'accord, je le ferai. Ok. Obim, tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. À plus tard. Bye bye. Oui, vous savez qu'on prépare notre mariage. Adogo, tu as vraiment de la chance. En ce qui concerne Maisie, est-ce que tu sais qu'il a refusé de dire quoi que ce soit par rapport à quand est-ce qu'il viendra voir ma famille? Ne t'en fais pas. Je sais qu'il le fera très bientôt. Il le fera. C'est ce que je ne cesse de lui dire. Ah, qu'elle arrête de s'inquiéter à propos de ce sujet. Exactement. Tu dois arrêter de t'en faire pour cela. Très bien. En fait, je dois partir. Hein? Mon père doit être en train de me chercher en ce moment. Hein? Merci, merci, merci. Bye bye. Bye, Adogo. Hey, je suis contente pour elle. Ikenna et Ogoma, comment vous allez? Nous allons bien. Vous êtes là depuis longtemps? Non. Né est derrière la hutte avec ta mère. Vraiment? Ogoma, qu'est-ce que Né vous a donné à manger? Nous avons mangé de la... Ah, ça c'est super. Ok, allons voir Né.
Mama. Ikena, que s'est-il passé? Je veux dire, pourquoi vous criez tous les deux aussi fort? Dada, avons-nous crié? Alors vous ne vous rappelez pas? Là. Je peux la ressentir. Alors, tu es déjà rentré. Mes enfants. Alors, les enfants, j'espère que vous avez assez vu votre dada. Donc, il est temps que nous rentrons, avant que le soleil ne se couche et que tout devienne sombre. Nous ne voulons pas rentrer, on veut rester avec Dada. Oh. Dekechi, est-ce que tu entends la même chose que moi? Ce matin même, ils se sont réveillés et ont dit vouloir venir voir leur Dada. Ah. Et maintenant qu'ils l'ont vu, ils ne veulent plus rentrer. Est-ce que c'est de leur faute si tu n'as pas un dada, tu as plutôt un dédé? Oh! De toute façon, je peux suggérer que si tu les autorises de rester avec nous, alors tu peux également passer une nuit avec nous. Non, dada, je ne peux pas rester. Ma marmite de sauce va se gâter. Alors permets-les de rester avec nous. Oui, dada, laisse qu'ils restent. Je prendrai bien soin d'eux. Ok, c'est d'accord. Si tu le dis... Je dois y aller avant que le soleil ne se couche. S'il te plaît, va et laisse les enfants avec moi. Tata, bye bye. Bye bye. Ces enfants sont fous de toi. Allons-y. Ils en ont beaucoup, mais. Allons-y. Oh, Diego. Oh, Zelenge. Oh, Diego. S'est-il passé? Vous étiez censé la tuer. Nous en avons essayé. Mais elle était protégée par deux puissants. Dis-tu? Qui sont-ils? Les deux petits-enfants. Ils sont avec elle. Vous devez les mettre à l'écart. Avant que le jour ne se lève. Sinon ton œuvre sera pris à sa place. Non! Non! C'est impossible. Non! Non! Non, ça ne peut pas se passer. Non, c'est impossible. Non. Yoma, qu'est-ce que c'est? Tu fixes le ciel depuis un moment. Qu'essayes-tu de voir? La période sombre est sur nous. Et ça arrivera bientôt. La période sombre? Que veux-tu dire? Je ne sais pas. Un immense chagrin sur le point de frapper ce royaume. Et Yoma, où est-ce que tu vas? Otozokowanyewai. Isioma! Penche-toi pour laver le visage. Lave. Ikena, lave. Hey, Adogo. Ah, bonjour, Nice. Oui, bonjour. Hey, bonjour. Bonjour, mes enfants. Mes enfants, je ne savais pas que vous n'êtes pas partis avec votre mère hier. Mais tu ne connais pas ces enfants. Sais-tu qu'ils ont insisté de rester avec moi que de rentrer avec leur mère? Adoro, tu es méchante.
tu n'as même pas pensé les amener chez moi hier, hein? C'est pas gentil. Hey, mais hein? Ne t'en fais pas, hein? Dès qu'ils finissent de se nettoyer, je te le promets, ils viendront chez toi. Amène-les, d'accord. Je vais préparer la bacha-bacha. Les enfants, elles vous amèneraient. D'accord, nous arrivons. Allez, lavez vos visages. Ogoma, lave ton visage. Allez, vas-y, prends de l'eau avec ta main. SM, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu cours comme si quelque chose te poursuivait? La période sombre est là. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous ne devez pas séparer Adogo, Zikena et Doguma. Je suis vraiment confus. Ils sont Sechi. Qu'est-ce que tu veux dire? Laissez-les ensemble et vous éviterez la période sombre. Période sombre? Période sombre? Période sombre. Maintenant, allez voir Neobike. Non, nous ne voulons pas y aller. Dada, nous voulons rester avec toi. Je sais. Et je vous promets que je n'irai nulle part jusqu'à ce que vous reveniez tous les deux. Non, nous ne voulons pas te laisser. Oh. Ok. Vous savez quoi? Quoi? J'irai avec vous. Merci. Allons-y. Êtes-vous content maintenant? Oui. Je l'ai vu porter un seau d'eau, j'étais genre... Qu'est-ce qu'un homme pourrait être en train de faire avec une cruche d'eau sur la tête? Tu t'imagines genre, ce n'est pas une stupidité? Ah! Arrête! Comment tu peux dire une telle chose? C'est idiot! Genre, comment est-ce que c'est possible? Un homme qui porte de l'eau sur la tête? Que veux-tu dire? Ça n'a aucun sens du tout. Bonjour, jeune demoiselle de notre royaume. Bonjour, Obina. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Et qu'est-ce que font deux jolies demoiselles de notre royaume ici très tôt le matin? Nous essayons de voir si les dieux vont nous bénir avec un homme qui va nous chérir exactement comme tu chéris notre ami Adogo. Les dieux sont très sages en effet, car ils savent offrir de meilleurs cadeaux. Merci. Continuez d'y croire. Ils vous béniront selon vos désirs. Merci beaucoup, Obina. Tu es rempli de sagesse. Tu me flattes avec tes mots flatteurs. Obina, mon ami Tingwe dit la vérité. Ok. Laissons cela entre les mains des dieux. Passez une bonne journée. Toi aussi, Obina. Merci. Oh, j'aimerais qu'il soit à moi. Il n'est pas à toi. Je veux dire, regarde-le. Tais-toi. Il s'en va encore. Sérieux, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas me retenir. Regarde-toi. Arrête ça. Né. Ouais. Hé, hey, Adogo, vous êtes là? Hé, hey, mes enfants. Hein? Né, je suis vraiment désolée. J'aurais dû les amener la nuit dernière. Non, t'inquiète pas. Je l'ai déjà oublié. Je viens juste de finir de préparer la bacha-bacha. Ah, si vite. Est-ce que tu m'ignores? Cela me revient. As-tu vu Obike? Oui, il est avec Izuna. S'il te plaît, appelle-moi. Oh? Nous venons avec toi. Non, restez là. Et en plus, vous devez manger la bacha que j'ai préparée pour vous. Non, on ne veut pas cette bacha. On veut partir avec notre dada. Et j'ai dit non. Restez là. Je ne pars pas, je ne vais pas m'enfuir. Je m'en vais juste appeler votre dédé Obike. Et je reviendrai, restez avec vous. Tu promets de revenir? Hey. Ok. Les enfants. Par les dieux. Je promets. Elle revient, d'accord? Vous êtes content maintenant? Oui. Ouais. Puis-je partir? Mais j'arrive. Hey, vas-y, reviens. Hey. Aneme. Onaga. Ndepande nuleo. Ndalum. Nduko, nduko. Oui, Kéti, mon ami. Odogu. J'appris que les dieux ont fait faveur à ta maison. Mm.
et ont donné à ta fille un mari. Oui, ils l'ont fait. Et je suis très content pour eux. D'où est-ce que tu viens de si tôt ce matin? Je suis allé voir Dibia Blazou pour ma fille Sioma. Elle a hérité du don de ma mère. Oh, tu es sérieux? Oui. Est-ce pour ça qu'elle a dit qu'il n'y a aucune période sombre ici? Parce qu'elle a dit que je ne devrais pas séparer Adugo et Ogoma. Ogoma et Ikena. Les enfants de ma sœur. Oh. Alors, elle t'a dit tout ça? Oui. Mais je voudrais savoir, c'est quoi la signification de cette période sombre? Par les dieux. J'aurais aimé le savoir. Période sombre. Je ne comprends pas ces fruits. Obike. Obike. Ah, Ada. Où est Izuna? J'ai cru que vous étiez là ensemble. Oui, oui. Izu. Izu. Je n'en sais rien. Je ta pense qu'il est dans les environs. Ta mère voudrait te voir. Ah, elle veut me voir alors que je suis en train de cueillir des fruits. NJD, c'est quand la dernière fois qu'on a fait cette tresse? Je devrais te poser la même question. D'accord. C'est arrivé. La période sombre. C'est arrivé. Isioma, Isioma, arrête tout ça! Pourquoi tu passes tout ton temps à parler de cette période sombre? Qui essayes-tu d'effrayer? Isioma, bien Kajoki, Isioma, es-tu possédée par les esprits? Je leur ai prévenu, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. La période sombre est arrivée. Non, 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 non! Obina! Obina! Izuna, Obike, mais pourquoi est-ce que vous courez? Obina, c'est ma sœur! Hein? C'est ma sœur! Ma sœur est de contre de mourir, je ne sais pas ce qui lui arrive! J'ai entendu dire à Dougou, qu'est-ce qui lui arrivait? Obina, s'il te plaît, écoute! Écoute, notre sœur est en train de mourir! S'il te plaît, va à la maison la voir, on va chercher de l'aide! Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma Dougo est-elle couchée de la sorte? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Obim, s'il te plaît, reviens-moi. Je sais que tu m'entends très bien. S'il te plaît, au nom de notre amour. S'il te plaît, j'ai encore besoin de toi et de ton sourire. Obim, s'il te plaît, reviens. Ne, s'il te plaît, dis-le-lui. Ada, Obi est là, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi pour voir ton Obi, je t'en prie. S'il te plaît, réveille-toi. Je t'en supplie, j'ai encore besoin de toi.
S'il te plaît, reviens-moi. Ma jolie princesse, ma fierté, s'il te plaît, réveille-toi. Ma fille. Tu as un don spécial des dieux. Écoute, ma mère avait le même don. Le même don quand elle était en vie. C'est un don. Et ça ne sera jamais une malédiction. Pour ce faire, tu dois te lever et y être forte. Relève-toi! Arme-toi et embrasse le don des dieux. M'as-tu entendu? Oui, père. Peux-tu le faire pour ton père? Je le ferai. Bien. J'ai entendu la pire nouvelle de ma vie aujourd'hui. Quoi? Qu'aurais-tu entendu? Qui soit tellement pire que ce qui se passe déjà dans ce royaume. Bia, que se passe-t-il dans notre royaume qui soit pire que ce qui se passe dans le royaume des autres? Oh, Inajum, tu me demandes? Ok, laissez-moi vous dire. Neka, hein? Qu'est-ce qui pourrait bien être pire qu'un royaume où les hommes ne sont pas valorisés, mais plutôt vous, les femmes, hein? Et le plus drôle, c'est que demain, qui sait, peut-être ce sera vous, les femmes, qui viendrez nous épouser. Nos traditions ont toujours été comme ça. Dis-lui. Elles sont comme ça et ce n'est pas aujourd'hui qu'elles vont changer. Alors arrête de te plaindre. Dis-lui, oh, dis-lui. Chinwe, tu disais quelque chose. Savez-vous qu'Adogo, dans le mariage est prévu, dans quelques jours du marché, est très malade. Mais est-ce que t'es sérieuse? Comment? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Je l'ai entendu quand je passais près de ses frères, Obike et Izuna. Ce qui lui arrive est vraiment très triste. C'est vraiment très triste, mais au cas où quelque chose arrivait, je suis disponible. Il n'en a pas besoin. Je l'ai prévenu de ne pas les séparer ce matin. Qui as-tu prévenu? Je lui ai dit que la période sombre est ici. Je ne comprends toujours pas. Qui as-tu prévenu? Et qu'est-ce que c'est cette période sombre? J'ai prévenu votre mari de ne pas séparer Ikena, Okuma et Erdogo. S'il l'avait fait, il aurait pu éviter la période sombre. Isioma, tu dis des paroles étranges. Qu'est-ce qui arrive à ma fille, s'il te plaît? Isioma, qu'est-ce qui arrive à ma fille? Itié, c'est plus que ce que je m'imaginais. Il y a une forte puissance qui la tient. Et ils m'ont empêché d'entendre les dieux. Ezabwa, tu dois sauver ma fille. C'est l'unique fille que j'ai. Et tu es mon dernier espoir. Je t'en prie, fais quelque chose. Fais quelque chose pour sauver sa vie. Alors je dois me rendre au sanctuaire pour m'entretenir avec les dieux. Et peut-être qu'ils me donneront la solution avant l'aube. Et Zengwara, j'aimerais savoir,
C'est quoi cette période sombre? La fille d'Ndoukwe Isioma m'a prévenu que la période sombre est là. Et je veux savoir, c'est quoi la signification de cette période sombre? Je l'ignore, mais les dieux le savent. Je dois partir. Aloha! Ah! Dieu de nos ancêtres! Dieu de nos ancêtres! Vous savez que Adugo est l'unique fille que j'ai. Sauvez-la pour moi! Obina? Izuna, bonjour. Bonjour, Obina. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Très bien. Où est-ce que tu vas avec cette cruche? Je vais à la rivière. Je vais chercher de l'eau. Et où est Adugo? Adugo à l'intérieur, avec Kine. Je m'en vais la voir. D'accord, j'arrive. Ok. Bienvenue sur le territoire des oubliés. Bientôt, ta mémoire sera oubliée dans les cœurs des hommes. Et ton âme nous appartiendra à jamais. Même si tous les hommes m'oubliaient, ma mère et mon amour Obina ne m'oublieront jamais. Rien de dur n'éternellement dans le cœur des hommes. L'amour, si. Silence! Ah, maman. Mon fils. Bonjour, maman. À qui appartient ce bois? Je suis allé chercher du bois pour maman Izuna. Maman qui? Izuna. J'ai toujours dit que tu étais un gros con. Hein? Oui, un con. Combien de fois as-tu vu Izuma me chercher du bois? Ou encore moins cette fille morte vivante? Hein? Est-ce que je ne prépare pas? Est-ce que moi aussi je ne fais pas la cuisine? Oni piripiri. Mais je ne sais pas pourquoi tu raisonnes de la sorte. Toi et moi savons les présentes conditions d'Adugo. Et Izuna ne peut aller nulle part pour faire quelque chose ou chercher du bois dans la maison. S'il te plaît, Né. S'il te plaît, je t'en prie. Je dois leur donner ce bois. Si tu traverses cette limite pour aller là-bas, je te réduirai en miettes avec cette machette. Merci en mensonge. Maintenant, tu peux partir. Retourne-toi et va garder ce bois dans ma hutte. Maman, désolée, je comprends pas ce que tu essaies de dire. Si tu traverses cette limite, je te briserai la tête avec cette machette. Moi, fais tout. Et où mais garder ce bois dans ma hutte. N'importe quoi. Maman, je n'aime pas ça, je te dis. Idiot. Obina, mon fils, tu dois être fort. C'est d'accord, Naï. Maintenant que les Abwara est venu, je crois que il va la réveiller. Vous avez raison, Naï. Bonjour, Naï. Salut, Naï. Soyez les bienvenus, mes enfants. Merci. Comment vont vos parents? Ils vont bien, Naï. Nous avons appris ce qui est arrivé à notre amie Adugo. Alors, nous avons décidé de venir pour savoir comment elle va. J'espère qu'elle va bien. Comment va-t-elle, Nani? Elle est encore inconsciente. Mais je crois que Eza Agbara continue à s'occuper d'elle. Pouvons-nous la voir maintenant, Nani? Non. Eza Agbara est encore avec elle. Chai, Obina, je sais que c'est très difficile. Mais sache une chose, les dieux sont avec toi. Merci infiniment. Vous êtes toutes de très bonnes amies. Que les dieux soient avec vous. Merci, Obina. Nous reviendrons la voir.
Oui, Naïn, nous reviendrons certainement la voir. C'est d'accord. Transmettez mes salutations à vos parents, hein. Merci, Naïn. Merci, Naïn. Je vous en prie. Salut Nouné, quand tu seras avec elle. D'accord. Ioma, c'est une maladie étrange. J'ai peur qu'il n'y ait rien que je puisse faire. Uduma, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je sais que vous pouvez faire quelque chose. S'il vous plaît. Mon unique fille est couchée désespérément. Seul Ezeagbara pourrait vous aider. Ezeagbara, qu'est-ce que les dieux ont dit à propos de la situation de ma fille? Elle a été prise et retenue en otage par les filles des oubliés, au plus profond de la forêt maléfique d'Adjaobi. Grand sage, je crois avoir entendu que les filles des oubliés sont des contes utilisés pour faire peur aux enfants. Et de ce fait, ne sont pas réelles. Elles sont très réelles. Et elles demeurent au plus profond de la forêt maléfique d'Adjaobi. Cela fait plus de 100 ans qu'on ne les a pas vues sur la terre des vivants. Et des dieux, je vous ai bien entendu dire que plus d'un siècle. Est-ce qu'il n'y a rien qu'on puisse absolument faire pour sauver sa vie? Grand sage, y a-t-il pas quelque chose qu'on puisse faire pour sauver notre fille, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je vous en prie. Un voyage dans la forêt maléfique d'Adjaobi est la seule solution. Hey! Il nous faudra un cœur d'amour, un œil de la période sombre et son tige. Ils s'aventureront dans la forêt maléfique afin de délivrer son esprit. Hey! Ezeagbara, comment est-ce qu'on trouve ces gens que tu as mentionnés? Obina, tu es le cœur de l'amour. Et les deux enfants de ta sœur sont ses chiches. Alors, comment allons-nous trouver l'œil de la période sombre? Qui était la demoiselle qui vous a parlé de la période sombre? La fille de Ndokwe, Isioma. Alors, vous devez les réunir et les amener ici avant la tombée de la nuit, demain. Hey! Obina, mon fils. Nous avons tous entendu ce qu'a dit Ezeagbara. Si tu ne veux pas du tout t'y rendre, nous pourrons comprendre. Personne ne t'en voudra pour ça. Obina, mon mari a raison. Tu es un homme bien. Si tu choisis de ne pas y aller, personne ne pourra t'en vouloir. S'il te plaît, trouve-toi une autre fille que tu prendras pour femme. Tu vois, personne n'est jamais allé dans cette forêt maudite d'Adjaobi et revenir en vie. Et je ne voudrais pas du tout que tu t'embarques dans ce voyage. Je t'en prie, mon fils. J'aime énormément Adogo. Et je suis prêt à aller dans cette forêt maléfique. Et même au séjour des morts. Si cela la ramènera vers moi. Obina,
Hey, Obina, tu dis que tu vas aller dans la forêt maléfique? Ouais. Hey. Hey. Au nom de l'amour. Non, Ibiko, s'il te plaît. C'est d'accord, jeune homme. Amenez les deux autres. On se retrouvera ici demain. Ma chère, comment est-ce que les dieux pourraient penser que quelqu'un pourrait aller dans la forêt maléfique juste pour sauver la vie d'Adogo? Cela ne risque vraiment pas d'arriver. Je suis d'accord avec toi, Ola. Parfois, les dieux espèrent que nous fassions ce que eux seuls ont le pouvoir de faire. Adogo va mourir. C'est ce que les dieux essayaient de nous dire. Tu sais qu'ils aiment parler en parabole. Cela fera énormément de peine à Obina. Tout particulièrement ses parents. Tu sais que dans notre royaume, les femmes sont plus valorisées que les hommes. C'est la raison pour laquelle je prie les dieux de me bénir avec 6 filles. Comme ça, je serai valorisée dans la maison de mon mari. Moi également. Je prie pareillement. S'il te plaît, allons-y. Cela n'arrivera pas du tout. Eza Agbara a dit qu'ils iront là-bas et reviendront en vie. Hein, s'il te plaît. Neikechi, hey, est-ce que tu t'entends parler? Hein? Qu'ils reviendront. Qu'ils reviendront sauf. Hein? Maintenant, dis-moi. Neikechi, quelqu'un aurait-il déjà survécu à la forêt maléfique d'Ajobi? Sans parler de deux petits-enfants qui ont encore peur du noir. Je t'en prie, Nkiru. Laisse-les partir et sauver mon unique fille, Adogo. Je t'en prie. Tu voudrais sacrifier mes propres enfants afin de sauver ta fille? Comme je l'ai dit, cela n'arrivera pas. Mais... pourquoi t'entêtes-tu contre les dieux? Pourquoi résistes-tu aux dieux? Ogoma, Ikena, allez à l'intérieur. Vous n'êtes que des enfants. Je sais comme vous aimez votre dada Adogo, mais vous n'irez nulle part. Nous sommes tes enfants, mais également Sichi. Alors, nous irons la sauver. Akuchi, Akuchi, qu'est-ce qui peut bien te retenir, hein? J'arrive, attends-moi. S'il te plaît, est-ce que tu peux te dépêcher? Vas-y, dépêche-toi. Ah, j'arrive, non? Hey, bonjour, Obina. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, merci. Obina, j'ai entendu parler de ce que les dieux ont demandé pour pouvoir sauver la vie d'Adogo. Est-ce que tu vas y aller? Ouais. Si aller dans la forêt d'Ajobi la ramènera à la vie, je vais y aller. Obina, si tu veux mon avis, je suggérerais que tu n'y ailles pas. Hein? Parce que tu n'as pas besoin d'aller dans cette forêt maléfique pour perdre ta vie. En fait, il y a plein de jolies demoiselles dans notre village. Hein? Une comme moi, qui est prête et qui souhaiterait combler le vide qu'elle a laissé. 10 femmes de ton genre ne pourront jamais combler ce vide en moi. Obi! Obi! Obina! Obina! Hey! Ne suis-je pas aussi belle qu'elle? Akuchi, qu'est-ce que c'était? Hein? Dont tu ne peux même pas laisser qu'un jour passe avant de te jeter sur Obina. De quoi est-ce que je me mêle, hein? Ou alors n'as-tu jamais entendu parler de l'adage qui dit qu'il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud? Akuchi! Akuchi! Akuchi, attends-moi! Akuchi! 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 Yoma, ce que tu me demandes, cela n'arrivera pas. Il n'y a aucune chance que cela n'arrive. Oh. Oh.
que je laisse ma fille partir dans la forêt maléfique d'Adjobi, mourir pour que vive ta fille? Non. Oh, Naï, s'il te plaît, s'il te plaît. Ma fille est en train de mourir. S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît. Tu sais que ta fille est un très haut don des dieux. S'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît. Je sais qu'elle a un don qui doit être maîtrisé et développé. Laissez ma fille aller dans la forêt maléfique d'Adjobi serait ma soirée, l'observer, en train de mourir. Je ne le ferai pas. Hey. Je ne le ferai pas. S'il te plaît. Peu importe ce que ça me coûtera, s'il te plaît. Je suis prête à y aller. Isioma, c'est vous que j'attendais. Ah, oh, je vais partir. Merci. Merci, mon enfant. Merci. Je suis prête à aller dans la forêt maléfique d'Adjobi. C'est ça ma destinée et mon fardeau. Isioma, maintenant je comprends que tu perds la tête. Isioma, allez, retourne à la maison. Rentre! Tu n'iras nulle part. Nam, vas-tu te battre avec les dieux si je décidais d'y aller? J'ai le cœur lourd. Et partir dans la forêt maléfique d'Adjobi est le seul moyen de me décharger de ce fardeau. Nam, s'il te plaît, je t'en prie, Nam, laisse-moi partir. S'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît. Tu as fortifié. Tu as fortifié. Tu as fortifié. Tu as fortifié. Obina, quand vous arriverez sur le territoire des oubliés, la mission est de faire qu'elle se souvienne de vos quatre. Et quand ça sera fait, son esprit retournera en elle. Mais, grand sage, comment allons-nous faire cela? C'est à toi de le déchiffrer. Prends ce sac. Tout ce dont vous aurez besoin est à l'intérieur.
Quand nous aurons traversé cette rivière, nous entrerons dans le territoire des oubliés. Nul ne sait ce qui nous attend là-bas. Alors j'aimerais qu'on se serre les coudes, peu importe ce qui nous attend. Vous êtes prêts? Oui. Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à affronter tout ce que nous allons rencontrer. Allons et sauvons-la. Ok, Ruka. Tu es encore en train de pleurer? Tu as entendu ce que les Agbara a dit? Eh bien, que ces deux enfants sont plus forts qu'ils en ont l'air. Et je crois que les dieux sont avec eux. Ils reviendront vivants, je suis sûr, parce que les dieux protègent toujours les leurs. C'est bon, arrête de pleurer. C'est bon. Hey! Les femmes et leurs sentiments. Elles ne comprennent pas que les pensées des dieux sont très différentes des pensées des hommes ordinaires. Je suis sûr, ces enfants reviendront en vie. Que les dieux les gardent et les protègent. Et c'est... Les humains. Les humains. Je peux les sentir. Ils sont là pour la sauver. Son âme nous a été offerte. Comme cadeau. Ce qui a été donné ne peut être repris. Son âme nous appartient. Des humains. Isioma, qu'est-ce qu'il y a? Elles savent que nous sommes là. On y va. Ces idiots humains sont en route pour te sauver. Mais ils ne pourront pas, parce qu'avant d'arriver ici, ils mourront. Ils seront pris au piège dans la forêt d'Ajobi pour toujours. Ne sous-estimez jamais la puissance des humains. Quand la volonté, l'amour et la détermination sont mis en action, les humains sont les créatures les plus faibles créées par Dieu. Bonjour, mes enfants. Qu'est-ce qui vous amène dans cet endroit où les humains portent des venir? Nous sommes venus à la recherche de mon âme sœur, que toutes les filles des oubliés ont pris. Les filles des oubliés? Oui. Elles sont les esprits les plus dangereuses qui demeurent dans cette forêt. Êtes-vous un esprit également? Non. J'ai été banni de mon royaume depuis des décennies. Vous voulez dire que vous êtes dans cette forêt depuis des décennies, c'est ça? Oui. Mes enfants, asseyez-vous et détendez-vous les jambes. Vous avez encore un très long voyage. Merci. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir. Obina, nous devons poursuivre notre voyage. Non. Nous devons nous reposer. Pas à cause de moi. Mais à cause d'Ikena et Ugoma, ils ont marché toute la journée. Je ne parviens pas à le cerner. Voilà pourquoi nous devons continuer notre voyage. Tu n'y parviens pas. Parce qu'il n'est pas un esprit. C'est un humain comme nous. Obina, nous devons partir. S'il te plaît, reposons-nous quelques secondes.
À quel niveau sommes-nous du territoire des oubliés? Disons que des jours de voyage vous suffiront. Du maïs? Mais, Naï... Merci. Prenez du maïs. Pourquoi avez-vous été banni de votre royaume? Prenez du maïs. Ma fille, c'est une histoire tellement triste. Mais je vais vous la raconter. Maintenant, je vais manger sa tête. Et moi, je mangerai son pied. Réveillé. Alors c'est toi, Ozu? Oui. Ton ami aurait dû t'écouter. Tu n'as pas pu me cerner parce que je suis mort. Ozu. Et maintenant, je donnerai votre chair à manger aux sœurs de la destruction. Stop! Et laissez-nous partir. Toi, petit garçon, tu veux que je commence par toi? Nous sommes Siti. Alors nous devons la sauver. Comment est-ce que vous pouvez être Siti? Sont-ils morts? Non, Siti, sont avec elle. Siti? Ça veut dire qu'elle veut vraiment vivre. Nous devons y aller les arrêter nous-mêmes. Shimo, Ada,
Je veux que tu te réveilles, s'il te plaît. Réveille-toi. J'ai fait de la sauce au rat pour toi. Avec de la noutille, s'il te plaît. S'il te plaît, réveille-toi, Onna. Bikonu. Mère. Cesse de pleurer. Arrête de pleurer comme si elle était morte. S'il te plaît. Je sais ce que tu ressens, mais il y a une chose que je sais pour sûr. Obina et Izuma rentreront de la forêt maléfique en vie et ils reviendront avec ce qu'il faut, quoi qu'il s'agisse pour ramener ma sœur à la vie. S'il te plaît, sèche tes larmes. S'il te plaît. Je sais ce que tu ressens. Atuko, rien ne t'arrivera. Atuko, s'il te plaît, reviens, prépare-nous ton délicieux plat. Je ne la pleure pas, Obike, je ne la pleure pas. C'est juste que, en tant que mère, ça me fait mal de voir ma fille. S'il te plaît, regarde ta sœur couchée sans espoir. Je ne sais pas, je ne sais pas. Maman. Est-il arrivé à son joli sourire? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Stop, je ne veux plus te voir comme ça dans ce village. Isioma, s'il te plaît, mon eau vient de finir. Puis-je en avoir un peu? Merci. L'œil de la période sombre. Le cœur de l'amour. C'est qui? Pensez-vous que vous couvrez la sauvée de votre brise en son mortel? Où est-elle? J'ai demandé, où est-elle? Seule la mort vous mènera à elle. Elle est déjà brisée. Vous avez fait une vertu. Rapprochons de l'endroit où elle est. On y va. Thank you.
Obim. Mon amour. Elle n'est plus ta femme. Mais elle est notre présent. Prends ça et tue-les. Oui, ma sœur. Adogo, s'il te plaît. Non, Adogo, non. Adogo, stop. S'il te plaît, Adogo. Adogo. Écoute... Non. Je t'en supplie, non. Adogo. Non, je non, sais non, que non, tu non, es encore parmi nous. Écoute-moi. Ah ah Adogo, ne fais pas ça. Robina. Oh, non. Monsieur Ma, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ikena. Obina. Obina. Non, Obina, réveille-toi. Obina. Adam. Ada. Non. Qu'est-ce que c'est? Né. Oh, Guini. Né. Hein? Né. Viens. Né. C'est bon. C'est bon. Que s'est-il passé? Dis-moi tout. Un cauchemar. Qu'est-ce que c'est? Hein? Adama. Viens. Hein? Ça va. Adam. C'est bon. Je suis là. Ça n'arrivera plus, d'accord? Nougoka, ekeremenu! Mwoka, ekeremonu! Achano! Et selon notre tradition, ma femme que voici, Ishioma, ira à l'intérieur chercher notre unique fille. Officiellement mariée. Pour venir prendre ce verre de vin. Faire le tour et nous montrer cet homme. Que tu as dit qu'il est sur le point de devenir ton mari. Pas cette précision, hein? Yeah. Tu as compris ça? Ton cœur m'abat. À jamais. Abu Dalanoué! Ma charmante fille. Nam. Akugam. Nam. Adugo. Nam. Enerebe Jogoru. Nam. Oyirine Nyonirinia. Nam. Non. Oui, je veux que tu prennes ce verre de vin. Fais le tour. Cherche cet homme-là. L'élu de ton cœur. L'homme à qui tu as dit sans lui, aucun autre homme ne pourrait te parler. Et que tu allais l'accepter comme ton époux. Et personne d'autre. Prends ce verre. Chérie. Adoko. Waramanya. Babano. Montre-nous qui c'est. Nawachobia. Egochani okwabo. Adoko. Yanya. Montre-nous qui est cet homme. Chorobaya. On a demandé à Adoko de nous montrer cette personne. Adoko. Chouanya. 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 Elle l'a trouvé! Ils forment un beau couple, hein? Félicitations. Nam, voici mon mari. Le garçon l'a affaibli. Elle est tombée amoureuse de lui. Mon masao. Non. Je dis, vous serez très heureux. Vous serez très heureux. Vous serez très heureux. Vous aurez beaucoup de fils et de filles.
Vous aurez des enfants honorés et qui en font quoi? Et qu'il en soit ainsi par le pouvoir de nos dieux. Oné, décroise les pieds. C'est pas bon pour ton enfant que tu croises les pieds. Ne les croise plus, hein. D'accord. Afin que ton enfant ne croise pas les siens. Ah. Oh, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand une femme est enceinte et qu'elle croise les pieds comme ça, son bébé également croise. Quand tu croises tes pieds, le bébé croise également ses pieds. Donc, le bébé croise également les pieds dans le ventre. Oh, je ne savais pas. J'espère que ce truc n'est pas serré. Non. Ah, ça ne sait pas. Mais j'ai réfléchi. J'aimerais que ma deuxième mère vienne à Omogou lorsque j'aurai accouché. Tu vois, comme si tu savais ce que j'avais en tête, je pensais la même chose. Tu sais comme ta belle-mère aime prendre soin de toi. Je n'ai pas de problème avec ça. Ce sont vos affaires. Écoutez, c'est bien. Je le veux bien. Mais ce que tu ignores, ou alors ce que tu oublies, c'est que c'est toi, sa mère. Hein? Tu es là, mais notre enfant. Oui, notre enfant. Je suis maladroite. C'est notre premier petit-fils. Et tu dois y aller pour pouvoir prendre soin d'elle. Hey, Iruka! Iruka, non! Iruka, nous sommes pareils. Que tu ailles ou que j'aille en premier ne fait aucune différence. Hein? Alors je suggère que tu ailles en premier. J'irai prochainement. S'il te plaît, tu grattes mon dos, s'il te plaît. Le mien aussi. Mais s'il te plaît, ne dis pas non. Je sais pourquoi, je veux que ce soit ainsi. S'il te plaît, ne dis pas non. Ok, qui suis-je pour dire non? Quand ma fille me demande de venir prendre soin d'elle, je viendrai. Ada, Ada ma chérie, Ada la plus belle. Tu sais que je ne peux rien te refuser. D'accord, je serai là. Obinna, tu t'amuses avec le feu. Comment Obinna? Le petit Obinna qui est né hier a-t-il pu prendre la seule femme que j'admire le plus? Parmi toutes les filles de ce village, il n'y avait personne d'autre que la fille que je chéris le plus. La seule femme que j'aime. Obinna, tu joues avec le feu. Tu t'amuses avec le feu. Quand je l'admire d'un côté, tu t'amuses aussi à l'admirer de l'autre côté. Tu manges la même nourriture que moi. Tu as oublié que je suis Dike. Dike. Le seul Ikoko. Le seul mâle. Le seul visible à l'œil nu. Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Et tu peux m'abuser, mais tu ne peux pas m'échapper. Je sais comment m'occuper des gens de ton espèce. Genre, fine. J'irai avec toi. J'en finirai avec toi. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Arrête de t'aider. C'est pour ça que nous sommes ici. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Je ne peux pas. Cette femme était une mère pour moi. C'était une mère pour moi. Mon véritable souci, c'est ma femme. Elle est très émotive. Je ne sais même pas si elle pourra surmonter cet incident. Et mon beau-père, je ne sais pas ce qu'il traverse en ce moment. Qui est-ce qui viendra pour moi à Mogou quand je vais accoucher? Cesse de t'inquiéter. C'est pourquoi nous sommes là pour toi. Non, et en plus, tu sais. Je comprends. Je sais que c'est douloureux. Je ne pourrais pas comprendre qui va porter mon enfant. Nous allons porter ton enfant. Ne t'en fais pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, d'accord? On ne te laissera pas souffrir. On ne te laissera pas souffrir. Cesse de pleurer. Porte ton bébé. Qui est-ce qui viendra pour moi à Mogou?
Nous sommes là pour toi. S'il te plaît, que nous serons toujours là. Mais pourquoi maintenant? Ça va, calme-toi. Cesse de pleurer. On te laisse pas souffrir. Nous sommes tes amis. Calme-toi. Désolée. Désolée. Nous sommes ici pour toi. Tu n'as pas besoin de pleurer de la sorte. Mon beau-père, je ne sais même pas s'il arrivera à surmonter cet incident poisseux. Chai, Obina, mon ami. T'inquiète pas. Les dieux vont le fortifier. S'il te plaît, sois fort. Il y a quelques années avec nous, Jimmy. Obina, mon ami. Contrôle-toi d'abord. Hein? T'es un homme. Mais parle à ta femme. Tu vois, elle est enceinte. Tiens bon, mon ami. T'es un homme. Résiste, mon frère. Hein? Hey! Obina, mon ami. Sois fort. Les dieux savent ce qu'ils font. Chai. Cesse de pleurer. Ne pleure pas. Pico, s'il te plaît, arrête de pleurer. Ça va. Calme-toi, ça va aller. Adougo, pour ton état, arrête de pleurer. Ça va aller, ça va aller. Attends, on dit que. Mbiocha. Wambianyare. Imananyaka Bousu. N'étais-je pas prévenu de rester loin de ma femme? Dike, de laquelle de tes femmes parles-tu au juste? Attends un instant. Viens-tu juste m'appeler par mon nom? M'as-tu appelé par mon nom? Hein? Je suis en train de te parler et tu oses ouvrir ta sale bouche bouillante pour m'appeler par mon nom? Comment devais-je t'appeler? Antilope? Alors tu ouvres ta bouche et tu m'appelles Dike? De toutes les façons, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien à dire. Que feras-tu? Tu me tournes le dos? Non, attends, tu me tournes le dos? D'accord. Très bien. Il n'y a pas de problème. Tu peux toujours marcher, mais tu ne m'échapperas pas. Du coup, c'est... Quiconque joue cette musique pour toi doit être prêt à pleurer pour toi quand tu commenceras à danser. Parce que tu devras danser à mon rythme. C'est une promesse de Dick. Je vais en finir avec toi. Je vais en finir avec toi. Tu sauras pourquoi est-ce qu'on m'appelle Dick. Tu verras. Dédiqué. Mais qu'est-ce que tu cherches à une heure pareille chez moi? S'il te plaît, ne sois pas en colère. Oui, oui, parce que, tu vois, rien n'arrive pour rien. Si quelque chose ne poursuit pas la grenouille, eh bien la grenouille en retour poursuivra la chose. Iho, koko, pameli acho, yokemba. Bien qu'il n'y ait pas de pluie. Écoute, tu sais, depuis que ton mari est décédé, je l'ai ressenti. Et à la même période, ma femme aussi est morte. Tu es maintenant une veuve, et je suis aussi un veuf. Et à chaque fois que je me couche et me réveille, je pense toujours à toi. Et chaque fois que je me couche et je me réveille encore, mes pensées vont directement vers toi. Je veux dire, ni... Eh bien, les selles ne sentent pas lorsqu'elles sont dans le ventre. C'est seulement lorsque tu les décharges que ça commence à sentir. En fait, je dois le vomir. Je dois vraiment te dire combien je t'aime. Si seulement tous les deux nous pouvions devenir mari et femme. Et c'est tout. Et c'est ce que je voulais te dire. Et cela très sincèrement. Oh, Timo. Les dieux sont sages. Vraiment très sages. Ils sont très sages. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu passes ici pour aller au champ, oui. Je sors souvent de ce côté pour t'admirer. Bien.
Hein? Oui. Oh! Et c'est très bien, comme les dieux te l'ont aussi révélé. À moi aussi. Combien je t'aime. Alors, hein? Onyamu godie gona bibe dugo. Onyama fegonobi nega fogunobu ifen kwame. Kegwe. Amma. Ona kwagunebe go. Enogo bunabi. Ona jigebi ifen kwame. Kegwe. Kama. Onya bakichenemu. Ah, ça c'est bon.